En avril 2019, cette photo fut rendue célèbre dans le monde entier. Pendant 3 ans, 200 scientifiques répartis dans 8 observatoires ont travaillé afin de la reconstituer. Cette image provenant de l'Event Horizon Telescope a été dévoilée le 10 avril 2019 par Catherine Bowman, une informaticienne du Californian Institute of Technology. Celle-ci a pu, grâce à cette photographie, démontrer son immense talent déjà reconnu en traitement d'images. C'est donc l'assemblage des résultats obtenus grâce aux observations dans le domaine radio qui ont permis de voir cet astre de toutes les démesures. Il a une masse de 6,5 milliards de masses solaires. Dans le cercle central, on pourrait largement faire tenir le système solaire tout entier. Un astre tout aussi démesurément gros que loin, car il se situe à 55 millions d'années-lumière de nous, précisément au centre de la galaxie M87. En effet, il nous apparaît extrêmement petit, et nous avons donc besoin de cumuler les observations faites par des observatoires répartis dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, ainsi qu'en Antarctique. Nous pouvons observer deux formes distinctes sur cette photographie. Un rond central complètement noir, c'est le trou noir en lui-même, et une sorte d'anneau tout autour. C'est ce que l'on appelle le disque d'accrétion. Autrement dit, c'est de la matière qui tourne autour du trou noir. Entre l'anneau et le centre du cercle central se trouve une limite imperceptible, l'horizon des événements. Nous pouvons aussi remarquer que l'anneau est plus ou moins foncé. Cela est dû à l'effet Doppler, car la partie brillante se rapproche de nous, alors que la partie sombre s'éloigne. Cette photographie nous permet une nouvelle fois de confirmer la théorie de la relativité générale, car cette photo nous montre la présence des trous noirs grâce à une observation directe, et ce pour la première fois de l'humanité. De plus, le résultat obtenu est exactement celui attendu par les simulations basées sur la relativité générale. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et si ce nouveau format vous plaît, dites-le nous en commentaire. Sur ce, salut tout le monde !